Alors aujourd'hui, comme vous le savez, ce sera une séance d'hypnose sur les troubles du comportement alimentaire. Gérer la motivation, ancrer donc tous les états d'apprentissage nouveaux, efficaces, pour une meilleure combustion, afin de perdre vos kilos et vous visualiser dans votre objectif. Comme vous le savez maintenant, vous allez rentrer dans une détente. Vous êtes installé confortablement dans la position qui vous convient. À votre aise, les yeux fermés. Quand vous avez trouvé la position la plus favorable à votre détente, peut-être pourriez-vous le signifier par un signe de la main droite et de la main gauche. Comme ça. Parfait. À votre rythme, pour que progressivement, d'inspiration en expiration, cette cadence harmonieuse vous accompagne. Dans un état de détente, dans un état de relâchement et d'apaisement. Et c'est tellement agréable de se détendre. Vous n'avez rien d'autre à faire que de ne rien faire et que de laisser faire. Et au fur et à mesure que vous ressentez cette sensation de bien-être s'installer en vous, autour de vous, un sentiment de sécurité s'installe aussi en vous et aussi à l'extérieur de vous. En toute sécurité, vous pouvez vous laisser aller, vous pouvez vous laisser porter, comme si vous étiez posé là, sur ce fauteuil, lui-même sur un doux nuage enveloppant comme du coton, comme de la soie même. Et cette douceur, cette légèreté vient vous apaiser, vous réconforter et vous glisser de plus en plus dans un état qui ressemble à un sommeil. Mais un sommeil dans lequel on ne s'endort pas, mais juste un sentiment étrange de relâchement. Et de plus en plus profondément agréable et apaisant, dans lequel on se sent bien et où on peut se laisser aller à une détente complète de la tête aux pieds, en passant par toutes les parties du corps. De plus en plus, la détente va s'installer, va s'installer dans le corps qui, lui, devient de plus en plus lourd, pour continuer délicatement à s'installer de plus en plus profondément. Dans chaque partie de votre corps, dans chaque muscle du corps. Et alors que vous vous concentrez sur les mots, peut-être vous avez déjà ressenti un changement, n'est-ce pas? Et vous pouvez même remarquer maintenant cet état de changement pendant qu'une partie de vous entend, intègre, des nouvelles informations, vous vous détendez encore plus profondément, vous êtes de plus en plus relâché, de plus en plus apaisé. Car toi, l'inconscient, tu es déjà ou peut-être bientôt présent. Vous laissez aller votre esprit, vagabonder, aller là où il a envie, d'aller et descendre encore un peu plus dans la détente. Dans un état parfois proche du sommeil, parfois proche du réveil. Et vous vous laissez porter dans cette future vie, un voyage extraordinaire où tout est possible, où tout est réalisable. Alors que le corps est complètement détendu et relâché, toutes les connexions avec votre cerveau se font avec plus de rapidité, plus de fluidité et d'efficacité. C'est alors qu'il suffirait de changer simplement un ressenti pour que vous puissiez ressentir quelque chose d'agréable, quelque chose d'important, une conviction que vous disposez déjà de toutes ces ressources, de toutes ces capacités, de toutes ces compétences et ces croyances, en accord avec vos valeurs profondes, pour vous libérer de la malbouffe, perdre du poids. La décision que vous avez prise aujourd'hui de vous libérer de cette emprise, de trop manger de la malbouffe. Car aujourd'hui, vous vous avez pris de la considération, vous vous considérez et vous devenez important pour vous. Votre inconscient fait émerger de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes nécessaires pour atteindre votre objectif.
celui de perdre du poids, de changer vos comportements alimentaires, d'avoir une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus agréable, mieux organisée, plus adaptée, celle qui vous correspond finalement, qui vous a d'ailleurs toujours correspondu, n'est-ce pas? Votre inconscient organise, amplifie, intègre les nouveaux apprentissages et les fonctions et les changements de façon à servir au mieux, pas à pas et avec conviction, instinctivement, en toute tranquillité mais efficacité, vos besoins présents et concrétiser et installer les changements que vous désirez. Et cela pour que vous puissiez devenir une personne qui se respecte, une personne qui a même oublié qu'un jour vous aviez mal mangé, vous aviez été boulimique, vous avez oublié de vous respecter, vous étiez à juste tort gavé, gavé de sucre, gavé de sauce, gavé de sel, gavé d'aliments non appropriés, toxiques, néfastes pour votre santé, votre vitalité. De plus en plus, alors que vous êtes attentif à ce qui se passe en vous, toutes les parties de vous comprennent, construisent, concrétisent paisiblement, sereinement, les changements et toutes ces capacités pour déclencher intégralement les transformations que vous avez choisies, les transformations de votre silhouette, une silhouette affinée, dégonflé, la taille du pantalon, de la jupe que vous avez choisie, du pull, du haut et du débardeur. Vous pouvez vous regarder, imaginer ce que pourrait être votre silhouette dans quelques mois, devant une glace, devant un miroir. Tous ces changements se mettent en place en toute sécurité, de façon à vivre une nouvelle vie, cette nouvelle vie que vous avez choisie de façon beaucoup plus confortable, de manière positive, beaucoup plus libre, beaucoup plus détachée, détoxifiée de ces aliments toxiques que vous avez décidé d'éliminer par un verre d'eau. Car chaque envie sera noyée dans un verre d'eau et ces toxines seront éliminées naturellement par les voies naturelles. Au plus vous écoutez ma voix et plus votre inconscient est présent. Et c'est à ce niveau que vous allez pouvoir demander à votre inconscient que par des processus efficaces et que par des procédés utiles, que par des protocoles exceptionnels, quand vous ressentirez l'envie de manger des aliments non appropriés, l'inconscient va déclencher de nouveaux comportements, va vous éloigner petit à petit et de plus en plus de vos anciennes habitudes pour vous reconnecter à de nouvelles habitudes beaucoup plus saines, beaucoup plus adaptées et vous nourrir par petites quantités et de meilleure qualité. Et d'ailleurs, à ce sujet, naturellement, lorsque vous ferez les courses désormais dans votre caddie, n'y seront déposés que des aliments qui vous donnent envie avec des saveurs de saison. Tous vos côtés olfactifs et gustatifs vont se développer au même titre que votre envie de manger beaucoup plus sainement, beaucoup plus sereinement. Vous vous détournerez des rayons, des aliments non appropriés, naturellement, sans aucun effort, jour après jour, de plus en plus. Et après chaque nuit, chaque réveil, après chaque nuit, cet état de motivation se renforcera et sera troqué par plus d'activité physique. Peut-être même l'envie de marcher un peu plus, de vous activer un peu plus, de vous ouvrir à de nouvelles choses à l'extérieur, à de nouvelles activités physiques, intellectuelles, des choses un peu plus passionnantes que celles de manger. Juste manger ce qu'il faut, adapter avec efficacité. Et c'est avec curiosité, efficacité, petit à petit, en toute liberté, que votre inconscient fait émerger facilement, intégralement, les nouveaux comportements nécessaires, bénéfiques, adaptés, réconfortants, tellement plus satisfaisants, pour ainsi vous permettre de vous dépasser et de concrétiser votre objectif,
celle de perdre du poids. Et c'est alors que vous allez réfléchir au nombre de kilos que vous souhaitez perdre, à la date de l'objectif que vous êtes fixé. Cet objectif est ambitieux, mais vous savez comme moi qu'il est réalisable. Et à une date appropriée, adaptée, en fonction du nombre de kilos que vous souhaitez perdre. Aujourd'hui, vous êtes libre. Vous avez une belle image de vous. Vous êtes fier. Et vous êtes fier parce que vous avez réussi. Et de plus en plus, ou peut-être tout de suite, ces perspectives de changement associées à votre souhait profond de vous libérer de ces mauvaises habitudes de malbouffe, de vous maintenir essentiellement en bonne santé, de conserver votre forme, de voir grandir vos idées, de ne plus faire partir votre argent à la poubelle, diriger maintenant des nouveaux comportements beaucoup plus harmonieux, de façon instantanée, avec motivation et détermination. La transformation opère chaque jour un peu plus. Vous n'en avez même pas encore conscience, n'est-ce pas? Mais d'autres vont le remarquer. Vous êtes beaucoup plus gai, beaucoup plus enjoué, beaucoup plus motivé, beaucoup plus actif, une meilleure vitalité. Et instinctivement, vous allez vers votre réussite. Vous avez d'ailleurs déjà réussi, n'est-ce pas? Comme d'autres ont déjà réussi. Alors, vous avez réussi. Je me demande si vous êtes déjà conscient que quelque chose s'exprime ici et maintenant, avec de la détermination, de la force et de la conviction. Vous vous éveillez à beaucoup plus de joie, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de respect, de considération, parce qu'aujourd'hui vous avez décidé de prendre soin de vous en vous donnant du temps, de l'attention, de la qualité de vie. Vous êtes prêt, engagé et fier. Alors, imaginez. Imaginez-vous à la date butoir, à la date que vous vous êtes fixé. Vous avez perdu le nombre de kilos. Vous regardez face au miroir, c'est un beau jour d'été, il fait beau, c'est agréable. Vous avez le teint allé, tout est florissant autour de vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes libéré, libéré de ce poids, de ce trop-poids, peut-être de ces fardeaux, de ces émotions passées. Vous êtes certainement libéré de ces poids-là aussi. Comme vous avez décidé de vous libérer de ce poids, de ces fardeaux, beaucoup trop lourds à porter. Vous avez réussi, vous avez atteint votre objectif, celui que vous êtes fixé. Vous avez modifié vos comportements alimentaires, vous avez changé vos habitudes au quotidien, associé à des nouveaux comportements, beaucoup plus sains, beaucoup plus sereins. Vous avez décidé, vous êtes motivé, car suffisamment motivé, pour que votre décision se renforce, s'amplifie de plus en plus chaque jour. Car après chaque nuit, quand vous passerez du sommeil au réveil, votre motivation renforcera votre décision, celle de retrouver votre poids de forme, un corps qui vous plaît, cette silhouette tant désirée. Physiquement, émotionnellement, vous avez déjà vécu et ressenti un sentiment de joie et de gratification, n'est-ce pas? Lors de la réussite d'un objectif passé. Cela peut être un objectif proche ou lointain même. Peut-être même celui d'avoir un jour peut-être réussi à passer votre permis de conduire, un examen, une augmentation, une évolution de poste, un changement de carrière, toute autre satisfaction personnelle ou familiale. Demandez à votre inconscient, maintenant, souvenez-vous-en. Vous pouvez même ressentir, si vous concentrez bien, à nouveau cette émotion, ce sentiment si particulier, cette sensation de fierté d'avoir réussi un jour un objectif. Vous aviez réussi cet objectif à l'époque en question, même avec vos doutes, vous aviez réussi. Et c'est avec joie et satisfaction que lorsque vous avez ressenti cette fierté d'avoir réussi cet objectif,
que vous savez qu'aujourd'hui vous êtes capable à nouveau d'atteindre votre objectif avec beaucoup plus de facilité que vous ne pensez, n'est-ce pas? Je demande à votre inconscient de faire un signe d'un doigt pour dire et signaler que vous êtes bien en connexion avec ce sentiment de réussite. Parfait, parfait. Votre inconscient a bien identifié cette sensation, ce sentiment d'atteindre cet objectif. Un chiffre, un objet, une couleur maintenant que vous allez déposer dans le creux de la main droite ou de la main gauche. Cette main que vous avez choisie, vous allez la porter sur une partie de votre corps facile d'accès. L'épaule droite, l'épaule gauche, le poignet droit, le poignet gauche. Car à chaque fois que vous aurez besoin de ressentir un sentiment de motivation, de réussite, alors vous avez juste à vous reconnecter sur cette partie du corps que vous avez choisi. Et alors, vous ressentirez à nouveau cette connexion avec votre inconscient, ce regain de motivation, tout est ok, tout est parfait. Bravo. Vous êtes projeté maintenant, imaginez toujours dans cet avenir, à quelques mois de votre objectif, la date que vous êtes fixée à partir de maintenant, vous avez atteint votre objectif, vous êtes devant le miroir, un sentiment, une sensation particulière, nouvelle, vous fait même frissonner du corps, de la tête aux pieds. Vous êtes métamorphosé. Vous avez perdu tous ces kilos superflus. Vos muscles ont l'air beaucoup plus fermes. Vos cuisses plus minces. Votre ventre est plus plat. Vos bras sont sveltes. Ils sont dénués. D'ailleurs, vous avez échangé votre garde-robe. C'est différent. Vous avez perdu une taille, deux tailles, trois tailles, quatre, quatre. Peut-être un peu plus. Vous êtes vivant. Vous avez repris le goût de vivre pleinement, entièrement. Vous vous sentez beau, vous vous sentez belle. Votre visage a changé, il a dégonflé, il est lumineux, il s'est légèrement creusé. Vous êtes habillé autrement. Vous avez repris goût à vous vêtir, à vous habiller, à sortir, à vous reconnecter à la vie, à discuter aux autres, à être en communion avec l'extérieur. Vous avez tellement changé. C'est tellement rassurant. Vous vous appréciez entièrement, complètement. De plus en plus ce poids de forme et cette belle image de vous. Vous avez gagné en poids de respect, en poids d'estime, en poids d'amour. En perdant ce poids, vous avez gagné en poids d'amour, en poids de sérénité, en poids de confiance. Car vous avez mis les actions nécessaires depuis tous ces mois, tous ces jours, toutes ces semaines pour vous sentir mieux dans votre corps. Et être en parfaite santé. Vous avez actionné et mis en pratique les bons apprentissages pour équilibrer votre vie par une alimentation plus saine, plus équilibrée, plus rationnée. Tout est complètement intégré, ancré en vous. Maintenant, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. De continuer à demander à votre inconscient de visualiser, de vous projeter maintenant dans un mois, dans l'avenir, à partir d'aujourd'hui. Vous êtes chez vous, dans un restaurant, en face de vous, une grande assiette d'aliments. On prend tous les aliments que vous souhaitiez éliminer et qui ne sont dorénavant, qui ne font plus partie de votre vie, de votre alimentation. Il y a des bonbons, des chocolats, des gâteaux, des plats en sauce, des glaces, plein de sel, plein de glucides, plein de conservateurs, des aliments rapides, du fast-food, tous les plats préparés, tous les plus nuisibles et néfastes les uns comme les autres. Ces aliments sont néfastes et vous trompent au quotidien car ils vont vous prendre du poids et abîment et transforment votre silhouette dans une image négative et vous éloignent un peu plus chaque jour de votre bonheur et vous font prendre du poids et le poids de la culpabilité. Ce scénario est en noir et blanc, terminé, fini, obsolète. Par magie, par miracle, tel un magicien, une magicienne, créateur de votre nouvelle vie, naturellement, avec certitude, conviction, par amour de vous-même et respect de vous-même, vous savez exactement ce que vous allez éliminer et bannir de votre assiette. Ce type d'aliment vous répugne, vous dégoûte, vous êtes complètement détaché, car même à la vue, à l'odeur de ce type d'aliment, trop sucré, trop salé, trop riche, trop saucé, vous lève le cœur, vous donne à doser, ça devient complètement insupportable, poids de la mauvaise bouffe.
Ça vous fait d'ailleurs penser, vous savez, à certaines odeurs d'aliments qui vous dégoûtent, à la vue, au niveau gustatif. Il y a des choses assez répugnantes qu'on n'a pas envie, qui nous rappellent des mauvais souvenirs, qui nous rendent malades, qui nous lèvent le cœur. Rien qu'à la vue, à l'odeur, au toucher, jamais vous ne pourriez mettre ça à votre bouche, ça vous donnerait la nausée. Et bien, c'est pareil aujourd'hui, votre inconscient a identifié, a associé la mauvaise bouffe à ces aliments répugnants, dégoûtants. Vous vous en détournez, fini, éradiqué, supprimé. Machinalement, vous jetez tout à la poubelle, vous ne faites plus attention ni regardez ce type de nourriture dégoûtante, toxique. Car vous savez comme moi, n'est-ce pas, que c'est juste une tromperie. Car à partir de maintenant, vous voyez servir dans une petite assiette juste les aliments nécessaires, sains pour votre santé. Juste ce qu'il vous faut en quantité suffisante et rationnée, ni plus ni moins, mieux que moins et moins que plus. Vous allez privilégier les aliments que vous aimez vraiment, les fruits, les légumes, de saison, en quantité suffisante. Et vous allez prendre plaisir à sélectionner les bons produits quand vous allez au supermarché, car dorénavant, votre caddie intègre que des bonnes choses, des viandes blanches, du poisson, des céréales complètes, de bons produits que vous avez pris soin de sélectionner, de vérifier les apports nutritionnels équilibrés, sans sucre ni sels ajoutés. Et vous allez développer de façon incroyable toutes ces sensations gustatives, olfactives, qui votre palais prend goût de plus en plus au gourmet, car vous êtes devenu un gourmet à la place d'un gourmand. Toutes les odeurs de ces fruits et légumes et des aliments sains vous font saliver de bonheur. Et l'idée de vous alimenter, de maintenir cette silhouette, cette envie, cette motivation chaque jour, vous fait respecter de plus en plus et vous donne de plus en plus d'amour de vous-même. Des aliments qui sont sains, qui vous réjouissent. Chaque nuit, votre capacité à perdre du poids s'intensifie et votre corps accélère maintenant de plus en plus le processus de combustion et fait fondre les graisses inutiles par les voies naturelles, car dorénavant, dès que vous vous sentez rassasié, vous arrêtez de manger et juste finissez vos repas par un grand verre d'eau. Fini. Vous êtes repu. Vous vous promettez de mieux vous alimenter, de vivre une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine, car votre corps reflète aujourd'hui cette image de cette personne tant désirée, vous. Cette image corporelle et ce bien-être vous motive à pérenniser ce sentiment d'être libre, libéré, un corps vaillant. Et c'est alors que tout ce qui est au niveau de l'inconscient restera l'inconscient et tout ce qui peut venir à la conscience viendra à la conscience. Qu'à trois, vous allez reprendre une inspiration, une expiration, une fois, deux fois, trois fois. Votre corps va se reconnecter, votre respiration va se reconnecter au rythme normal. Une fois, deux fois, trois fois, chaque inspiration, chaque expiration, vous ancrerez un peu plus cet état de bien-être, de relâchement, de détente, de motivation, de satisfaction. Vous allez pouvoir maintenant ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant avec moi. Inspirez, expirez, continuez de profiter des bénéfices de cette séance d'hypnose aujourd'hui, demain et les jours à venir. Et au plus vous ferez ces séances d'hypnose, au plus vous ancrerez cette décision, cette motivation de perdre du poids, de maintenir votre poids et de maintenir vos beaux comportements et apprentissages alimentaires. Parfait. Inspirez, expirez. Tout est parfait. Tout est OK. Cette séance d'hypnose est terminée et vous allez continuer de profiter de cette belle journée. À bientôt. Merci.